Ce soir, Logan rentre chez lui. Son état ne nécessite pas d'intervention chirurgicale. Un soulagement pour son père qui, trop ému, ne trouvera pas les mots pour nous le dire. Je ne veux pas parler. Ok. Cette petite victoire s'est jouée sur un trio. Le bébé, l'équipe soignante est chose rare dans un hôpital. Des personnes extérieures au service, les parents. On essaye beaucoup en fait de les impliquer dans le soin parce que c'est bon pour les enfants, c'est le mieux pour eux en fait. Donc le plus on va les impliquer, le mieux ça sera. Voilà, après s'ils veulent pas trop le temps d'observer, ils peuvent aussi parce que c'est un peu impressionnant. Mais après, on a plein de parents qui s'impliquent et qui font même les soins au final, les petits soins que nous on peut faire. Les enfants admis ici ont tous des malformations cardiaques, des pathologies lourdes. Pour la plupart, ils subissent des opérations à cœur ouvert. Travailler dans ce service est forcément particulier pour le personnel soignant. On a encore reçu une lettre aujourd'hui de parents qui nous remercient, alors que c'est notre travail, mais c'est vraiment ce merci qui nous tient à cœur. Et ils reviennent en pédiatrie alors qu'ils ont 15 ans ? Oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas de service qui s'occupe de manière spécifique de ces malformations chez les plus grands. Et donc, il n'y a que nous qui connaissons, comme on les a opérés bébés, il n'y a que nous qui connaissons leur évolution chez les adultes. Et donc, on se retrouve aussi en réanimation. Aujourd'hui, il y a deux adultes qui ont déjà été opérés enfants et qui ont survécu maintenant, parce qu'il y a plus d'adultes qui sont porteurs de malformations cardiaques déjà opérées que d'enfants qui naissent. Et donc, on se retrouve à devoir soigner aussi des adultes. Vous en parlez bien. Mais non, c'est une passion. Mm. On fait pas ça pour l'argent ou autre chose. C'est pas un gagne-pain. Mm. Et je crois que moi, en tant que médecin, mais toute l'équipe est pareil. Quoi. Bravo. Non, c'est... Bon, bravo. Ça fait partie du boulot, quoi. Ouais, ça fait partie du boulot. Mais ouais, non, c'est un peu plus. Ah non, c'est un boulot qui est intéressant. On vient travailler le matin, on est content. Quoi. On sait que enfin, c'est une équipe, c'est une famille. C'est des bébés, ils sont innocents, ils ont besoin de nous. La nuit tombe sur Olévêque. Les couloirs se vident. Doucement, le rythme ralentit. La nuit est une affaire de binôme, une infirmière et une aide-soignante pour 24 patients. On réclame depuis des années d'avoir du personnel en plus. Bon là, ce soir, étonnamment, c'est calme, je vois qu'on fasse aussi. Mais c'est vrai que du personnel supplémentaire, ce ne serait pas du luxe. Malgré ces contraintes, pour Céline et Alice, travailler la nuit est un choix mûrement réfléchi. On a le temps pour les patients, parce que la journée... Et ça, les patients le ressentent. Quand ils nous demandent de rester avec eux, des fois, il faudrait rester avec eux toute la nuit, avec certains, voilà. On ne peut pas, mais c'est vrai que c'est complètement différent. Quoi. La journée, ils ne demanderont pas qu'on reste avec eux, parce qu'ils sentent que, voilà, la nuit, c'est différent. Ils voient que des fois, on peut prendre un peu plus de temps. Demain, dans le quatrième épisode, plongez dans le bloc opératoire pour une opération à cœur ouvert.